Au dernier top, il était 19h, l'heure de retrouver Linda Hamed pour l'essentiel de l'actualité consacrée en grande partie, bien entendu, à la situation qui prévaut en Palestine occupée. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Restera à la une ce soir encore la situation de guerre en Palestine occupée. L'Algérie réitère son soutien. Le président Tebboune l'a affirmé à son homologue palestinien via un entretien téléphonique entre les deux peuples. Une histoire commune de résistance. Nous vous informerons sur les nouvelles victoires réalisées par le Hamas et les défaites de l'armée sioniste qui se succèdent. Nous vous fournirons tous les bilans que nous suivons en temps et en heure. Qatar et Belkacem qui lancent ce soir une sévère mise en garde contre la poursuite des bombardements à Gaza. La bande sous blocus davantage renforcée la population privée de tout. Déclaration de politique générale du gouvernement demain devant les députés à l'Assemblée nationale. Présentation, débat pendant 5 jours, puis réponse du Premier ministre. Pour réglementer le monde des médias, le secteur de la communication soumet 2 projets de loi à la commission habilitée à l'APN. Et puis on parlera sport, football, notamment avec la démission de l'entraîneur de l'USMAD d'Alger, Abdelhaq Ben Chicha. Bienvenue à tous. Nous continuons à suivre de très près, bien évidemment, la situation qui prévaut chez nos frères palestiniens. Ils restent animés par une résistance sans pareil et le mouvement Hamas y est pour beaucoup. Il a ravivé l'espoir de tout un peuple avec lequel les Algériens restent intimement liés, peuple et gouvernement. Les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Mahmoud Abbas ont d'ailleurs réaffirmé ce lien très fort entre les deux parties via un appel téléphonique aujourd'hui, Cheikh Benzaoui. C'est une condamnation ferme contre les pratiques qui violent les plus fondamentales des règles humanitaires et la légalité internationale. Une position fidèle aux principes et à la profondeur des relations entre l'Algérie et la Palestine. L'Algérie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités et réitère sa demande pour une intervention immédiate de la communauté internationale à travers les instances multilatérales concernées afin de protéger le peuple palestinien de l'oppression et des crimes orchestrés par l'entité sioniste et renouvelle sa conviction que l'occupant est au cœur du conflit arabo-israélien. Si l'on souhaite donc mettre un terme aux conséquences de ce conflit, cela passe inévitablement par le rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien, lui permettant d'établir son État indépendant aux frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Cela démontre encore une fois la fidélité de l'Algérie et l'entière solidarité avec la cause sacrée du peuple palestinien frère. D'ailleurs, lors d'un entretien téléphonique, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a informé le président Abdelmadjid Tebboune des exactions graves commises par les forces d'occupation, sait qu'il peut compter de manière indéfectible sur l'Algérie, qui avait abrité, rappelons-le, en octobre 2022, des pourparlers entre 14 différentes factions et partis palestiniens sanctionnés par la déclaration d'Alger. Il sait aussi que l'Algérie fera de la question palestinienne son cheval de bataille lors de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2024 à 2025. Et nous suivons en temps et en heure l'évolution de la situation sur place. Le Hamas n'a pas encore dit son dernier mot. Il continue à lancer des roquettes sur des positions sionistes. Les combattants restent déterminés plus que jamais. Le récit des derniers développements avec vous, Nusseline Dahmoun, est-ce qu'a décidé ce soir le porte-parole de Qatar et Belkacem? Oui, Linda. Alors, le porte-parole de Qatar et Belkacem vient de s'exprimer il y a peut-être une demi-heure sur les attaques de l'entité sioniste contre les civils à Gaza, des attaques aériennes qui se sont intensifiées ces dernières heures et qui ont ciblé des civils palestiniens innocents suite à ces tueries sionistes dans toute la bande de Gaza. Qatar et Belkacem a décidé de riposter à chaque raid israélien contre des civils gazaouis, un otage sioniste sera exécuté avec vidéo à l'appui. Sur le terrain, l'armée d'occupation a ciblé un hôpital central en plein cœur de Gaza ainsi que les axes routiers qui mènent à cet établissement de santé. Les raids s'intensifieront également ce soir selon les médias locaux. S'ajoute à cela l'annonce faite par l'entité sioniste de priver les Gazaouis de l'accès à l'eau, à l'électricité, aux produits alimentaires et aux médicaments. L'objectif étant de couper Gaza du reste du monde en vue d'une opération militaire de longue durée avec la perspective d'une intervention terrestre dans les prochaines 24 à 48 heures. L'opération Tofan al-Quds, quant à elle, se poursuit également. Elle a visé en particulier les
colonies, les colonies de Sderot et des positions militaires sionistes à l'est du gouvernorat de Rafah. Des opérations menées de front par plusieurs factions de résistance palestinienne, des factions très bien organisées qui ont totalement déstabilisé l'occupation sioniste, qui vient même de demander à ses ressortissants de ne pas quitter les abris pendant 72 heures. Et puis, on vient d'apprendre que la situation est tout aussi préoccupante au sud du Liban, aux frontières libanaises, où les combats se poursuivent entre les résistants du Hezbollah et l'occupation et l'armée d'occupation sioniste. L'armée libanaise, quant à elle, a fait une déclaration officielle et a appelé les habitants de la région sud du Liban à faire preuve d'une grande prudence ce soir. Et dans ce contexte de guerre, Nesrine Dahmoud, l'unité des factions palestiniennes, vous en parlez à l'instant, est plus que nécessaire. Le mouvement Fatah insiste d'ailleurs sur cette valeur qui transcende d'autres considérations. On écoute son porte-parole. Nous n'avons pas d'autre choix que d'agir ainsi. Et c'est mentionné dans le communiqué du mouvement Fatah. Le comité central a pris une série de résolutions dans la nécessité d'unifier les rangs loin de toute autre considération politique ou idéologique. Elles doivent toutes verser dans un seul sens, l'intérêt du peuple palestinien. La décision doit être palestinienne. Ce qui se passe à Gaza ne doit pas être récupéré au profit des agendas de l'extérieur. Et l'organisation de toutes ces opérations aura nécessité des préparatifs de longue haleine avec une option spéciale de professionnalisme, relève l'experte en géostratégie. Elle est palestinienne et elle s'appelle Dana Faraj, contactée par Nesrine Dahmoud. L'occupant sioniste est en plein hystérie. Il ne sait plus comment réagir ni riposter face à la résistance palestinienne. Il s'attaque alors aux innocents, des familles, des enfants et des femmes sont ciblés. Le nombre de martyrs augmente certes, mais en parallèle, nous avons une résistance qui a surpris le monde entier par son organisation, ses capacités et ses moyens. La bande de Gaza qui étouffe depuis maintenant 17 ans se voit assiégée davantage, ses habitants privés de tout. Netanyahou met ainsi à exécution ses menaces contre une population civile désarmée mais déterminée, comme le démontre ce témoignage d'Intisar Ismail. Elle habite Gaza, elle est contactée par Karim Abnour. La situation est hors de contrôle, c'est invraisemblable. Nous nous retrouvons sans eau, sans électricité. La majorité des infrastructures de santé ne sont pas opérationnelles. Nous vivons un calvaire, même les centres de refuge ont été bombardés, nos maisons détruites. Ils veulent nous faire fuir de chez nous et nous n'avons pas où aller. Et ce soir, Mariam Abdo a pu contacter aussi Dr Halis. Vous allez l'écouter, il intervient en plein bombardement depuis Gaza. La situation est extrêmement difficile à Gaza. En ce moment, nous subissons un bombardement intense, terrestre, aérien et via la mer. Au moment où je vous parle, une explosion se produit et le bruit est assourdissant. On dirait un séisme et ça dure depuis 3 nuits maintenant. Ces bombardements n'impressionnent pas pour autant les combattants du Hamas. Ils ont lancé ce matin une nouvelle série de missiles sur des positions sionistes au sud-ouest d'El-Quds. Les habitants de Gaza le soutiennent dans sa démarche au prix de leur vie. Ayad Omar. Le coup reçu par l'entité sioniste par Gaza les a surpris et même dans les rêves, ils ne pourraient pas s'y attendre. Ils nous voient comme des mouvements petits comme Hamas et les Palestiniens en général sans arsenal militaire ni moyens forts pour combattre les sionistes, contrairement à eux qui sont plus organisés. Et en 24 heures, ils ont été surpris par plus de 700 morts et plus de 100 otages. À Gaza. Nous souffrons énormément, mais nous sommes habitués à ces catastrophes à travers les guerres. Les sionistes n'ont jamais vécu ce qui s'est passé et ne pourront pas le supporter. Ils souffrent plus qu'il n'en faut. Ils demandent aux Américains de leur fournir des armes, des missiles et des chars. Et jusqu'alors, quoi qu'ils ramènent, ils ne sauront pas comment réagir.
Voilà, c'était le témoignage d'un autre habitant de Gaza. Il s'appelle Iyad Omar, contacté par Karima Bennour. Ces bombardements ont fait jusqu'ici 576 martyrs et plus de 2900 blessés côté palestinien. Et côté perte chez l'ennemi, au moins 900 tués et 2500 blessés. Côté réaction ce soir, surprenante celle de l'ONU. Antonio Guterres déclare comprendre les inquiétudes israéliennes, mais se dit bouleversé par l'annonce du siège complet de Gaza. Au Maroc, où les autorités ont normalisé, vous le savez, leur relation avec l'entité sioniste, le peuple est sorti manifester son soutien ouvertement à la résistance palestinienne. Dans 38 villes au moins, ils ont exprimé dans la rue cette position envers la Palestine qui restera inchangé. Le bureau permanent du Front Polisario réaffirme de son côté la solidarité du peuple sahraoui avec le peuple palestinien. Une paix juste ne peut se concrétiser qu'en permettant au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes dans le recouvrement de son indépendance avec Al-Quds comme capitale. Le marché pétrolier a bien évidemment réagi à cette situation. Les cours ont rebondi ce matin. Ils ont atteint plus de 89 $. Pour mieux comprendre, voici les explications de Mourad. Il est expert en énergie, contacté par Cheikh Ben Zawi. Ce que les experts avancent comme raison sur l'orientation haussière des prix du pétrole, c'est le risque que l'Iran ne soit engagé dans ce conflit avec des actions militaires contre ce pays. Cette éventualité est peu probable, aurait des incidences difficiles à évaluer. Tant elle serait grave et déflagrante pour l'industrie pétrolière. Une attaque de l'Iran signifierait la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, avec donc près de 20% du trafic pétrolier, mais aussi du détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée de la mer Rouge. Je pense plutôt que la réalité, le marché est à l'équilibre aujourd'hui. L'Iran représente 3,8 millions de mètres cubes par jour. Les pays du Moyen-Orient, plus de 30, donc ce qui les amène autour du tiers de la production mondiale. Ce qui s'est passé à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, de YouTube, etc. Ça veut dire que les effets déflagrants peut-être ne serait-il pas manifeste dans l'immédiat. C'est une victoire symbolique des Palestiniens qui ne manquera pas de donner des cauchemars à beaucoup de dirigeants arabes qui se sont aventurés dans la compromission avec Israël. Et tout ceci ne peut que orienter les prix du pétrole à la hausse. Et dans ce contexte de guerre, la désinformation, l'attitude partiale, le manque d'équité, voilà ce qui caractérise les débats stériles des médias, notamment occidentaux. Voici un aperçu avec Elias El Reini. Il y a à Gaza eu des milliers de morts civiles à travers toutes ces années. Non, je vais y arriver. Là, ils sont victimes d'un acte terroriste. Commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Qu'il faut condamner. On va revenir sur la complexité. On va y aller tout doucement. C'était incroyable. Combien de temps l'agression israélienne va-t-elle continuer? Quand il s'agit du peuple palestinien, même pas une condamnation de notre gouvernement. Entre oppresseurs et opprimés, colonisation et légitime défense, c'est une politique de deux poids, deux mesures entretenue par des pays qui se considèrent comme des exemples en matière de droits de l'homme. La différence de traitement médiatique reflète cette hypocrisie qui ne date pas d'hier, un choix sélectif selon la race ou la religion qui consiste à fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine occupée et à réagir face à tout ce qui touche aux intérêts des Occidentaux. Iyad Al-Astal, journaliste et réalisateur palestinien. On a vu comment la communauté internationale elle a dénoncé la Russie, elle a donné le droit aux Ukrainiens de se défendre. Mais pourquoi, quand il s'agit des Palestiniens, on dénonce et on considère les Palestiniens comme des terroristes? Parce que tout simplement, c'est le poids en deux mesures. Un citoyen avec des yeux bleus et des citoyens considérés en deuxième degré. Le monde aujourd'hui, il doit surveiller. L'inaction de l'ONU envers ce dossier est également pointée du doigt depuis des dizaines d'années. Malgré les crimes de guerre sionistes envers le peuple palestinien et la violation des résolutions onusiennes, l'entité sioniste n'a jamais écopé de sanctions ni d'embargo. Chez nous, pour réglementer le monde des médias, télévision, radio, presse écrite ou encore électronique, le secteur de la communication présente à l'APN deux projets de loi. Détail, Mayal Kenz. Au cours de cette audience, le ministre de la Communication, Mohamed Laghaeb, a demandé la programmation de séances consacrées à la présentation et au débat des projets de loi relevant de son secteur.
Si nous devons promouvoir le secteur de la communication, nous devons débattre les deux projets de loi relatifs à l'audiovisuel, la presse écrite et la presse électronique. Et seulement après ces débats que nous formulerons les textes d'application pour ensuite mettre en place les autorités de régulation audiovisuelle et de la presse écrite et électronique, en plus du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie professionnelle. En outre, Mohamed Laghab appelle à revoir certains articles, notamment les articles 30 et 19, en apportant plus de précision, ce qui permettrait aux médias lourds, notamment les télévisions privées, d'exercer dans un cadre réglementaire adéquat. Certains articles doivent être améliorés, l'article 30 notamment, qui stipule que la personne physique doit apporter un taux de 40% du capital social de sa chaîne de télévision. Si l'on part sur cette base, toutes les chaînes privées devront fermer. C'est aussi le cas pour l'article 19. Qui ôte au service public les prérogatives de créer des chaînes thématiques, économiques par exemple. C'est pour cela que nous avons introduit quelques alinéas pour exclure les chaînes relevant des entreprises économiques publiques de ces dispositions. Le développement du secteur de la communication et des médias demeure le cheval de bataille du département de Mohamed Laghab qui annonce un plan inspiré de la réalité dans ce domaine. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera quant à lui demain à l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. Les débats se poursuivront pendant 5 jours jusqu'à dimanche prochain et lundi, le Premier ministre répondra à toutes les questions soulevées par les députés. Ça sera en séance plénière. Pour découvrir les divers produits du secteur industriel, un déplacement des professionnels au Palais des Expositions est tout indiqué. Pour la chaîne 3, Ibtihal Haddoun s'y est déplacé et s'intéresse ce soir à la sous-traitance industrielle qui reste au cœur du développement de l'économie nationale. Pas moins de 1400 entreprises actives dans le domaine de la sous-traitance à l'échelle nationale. Elles opèrent dans plusieurs secteurs, à titre d'exemple, e-metal. Dalila Ben Belkacem, directrice de communication à e-metal. Le groupe a des entreprises qui sont dans cette optique. Ils fabriquent des produits qui peuvent être destinés à plusieurs secteurs, hydraulique, hydrocarbures, agriculture, et des entreprises centenaires. D'ailleurs, même le prochain salon Alges, on y prendra part du moment qu'il s'agit de la sous-traitance. Il y aura des entreprises quand même assez importante. La sous-traitance industrielle est l'une des options stratégiques les plus importantes pour les petites et moyennes entreprises. Imane Bouktina, responsable marketing d'une entreprise privée. L'entreprise algérienne de réalisation d'infrastructures et d'équipements métalliques a été la première entreprise algérienne qui a instauré au niveau de son siège un Fab Lab qui aide les jeunes entrepreneurs à réaliser leur projet, à accéder au marché national. Les pouvoirs publics accordent une grande importance à la sous-traitance industrielle à travers la facilitation ainsi que l'élargissement de leur champ d'action. Objectif, encourager la production nationale et réduire la facture d'importation. Et cette 15e édition du Salon professionnel international de l'industrie s'achèvera le 13 octobre, soit vendredi prochain. Algérie Post, en constante mutation, plusieurs de ses services ont été revus et corrigés, mis au diapason des nouvelles technologies, de nombreuses applications pour faciliter la vie à ses clients. Louaï Zaidi, directeur général d'Algérie Post, s'exprime au micro de Samir Alloun. Le produit qui est avant-gardiste actuellement, c'est le paiement par QR code. C'est un produit qui peut être appliqué déjà au niveau donc des bureaux de poste, comme il peut aussi être appliqué au niveau des applications mobiles que nous avons. Au niveau du guichet, ça va apporter plus de confort, même pour nos employés. Ils n'auront pas à faire des vérifications, à faire de la saisie. Donc une transaction, elle prenait exactement 4 minutes 7 secondes donc en termes de saisie. Une fois que les lecteurs de QR code seront déployés, une transaction de paiement de chèque ne prendra que 10 secondes. Et c'est la journée mondiale de la Poste ce 9 octobre, placée sous le thème « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté ». On arrive au sport, on va commencer par ces félicitations du président de la République Abdelmadjid Tebboune à la gymnaste algérienne Kaylia Nemour qui a décroché la médaille d'argent aux barres asymétriques aux mondiaux de gymnastique d'Anvers en Belgique. Et puis en foot, l'info du jour, Radouane Bendali, c'est la démission de Abdelhaq Benchicha, l'entraîneur de l'USMA d'Alger. On vient en effet d'apprendre la démission d'Abdelhaq Benchicha, entraîneur de l'USM Alger, et ce après avoir été l'artisan de 2 sacres continentaux, la Coupe de la Confédération africaine de football et la Supercoupe d'Afrique 3 mois plus tard. Voilà donc l'USM Alger sans entraîneur en attendant la désignation d'un nouvel entraîneur. Et puis il y a le président de la FAF qui a réuni aujourd'hui les présidents des clubs de Ligue 1.
Une réunion qui a eu lieu ce matin au siège de la FAF à Del Ibrahim, à l'initiative de la Fédération algérienne de football, en présence des présidents et représentants des clubs professionnels de Ligue 1. Une réunion de coordination qui avait pour objet de débattre des questions liées au développement de la discipline. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion, dont les plus importants ont notamment été le calendrier annuel des compétitions, les centres de formation, les académies de football, les infrastructures, ainsi que les questions relatives à la situation financière des clubs professionnels de Ligue 1. Et avant de quitter le football, rappelons que l'équipe nationale est entrée en stage aujourd'hui en prévision des deux matchs amicaux qu'elle doit disputer. Les Verts quitteront la capitale demain en direction de Constantine pour le match amical face au Cap-Vert prévu jeudi prochain au stade Chahid Hamlaoui de Constantine à 20h. Par la suite, les Verts affronteront l'Égypte le 16 octobre au stade Zayed Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Ça sera à 17h. Et on termine avec du basket, avec la Coupe arabe des clubs, la défaite de l'USMA face au club de Beyrouth. L'USM Alger s'est incliné face à la formation libanaise de Beyrouth Club sur le score de 78-110 à la mi-temps. Déjà, le score était en faveur des Libanais, 63-34. Et c'est en quart de finale de cette 35e édition du championnat arabe des clubs de basketball disputé sur le parquet de la salle Rayan de Doha au Qatar. Malgré cette défaite, le champion d'Algérie en titre a réalisé un bon parcours dans cette compétition, comme le dit d'ailleurs l'entraîneur de l'USM Alger, Reda Hashmi, contacté par Rostom Yahya Sherif. On a essayé de faire le maximum, on a tout donné sur le terrain, le condition plus fort. L'équipe de Beyrouth est supérieure par rapport à nous, mais malheureusement, on a perdu à la fin, mais alhamdoulilah. On a joué contre des équipes professionnelles, on a tout donné, alhamdoulilah pour le résultat. Et c'était tout pour ce soir, Ledouane Bendali. Il est 19h, bientôt 22 minutes sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sida Ali Toubal. La météo de Karima Benour, vous la suivrez dans quelques instants. Et puis un autre point de l'actualité consacré en grande partie à la situation qui prévaut en Palestine. Il vous sera présenté à 20h par Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous.